Hello tout le monde, c'est Raidus et aujourd'hui nous sommes ensemble pour le 8e épisode de Golden Sun, je crois. J'espère que vous allez bien. La dernière fois nous avons nous avons exploré Rocher et nous en avons appris un peu plus sur les lycanthropes qui régissaient, on va dire, enfin, qui se trouvait à Garo, où je suis actuellement. Et nous avons donc eu Rocher, nous avons donc exploré Rocher pour que Scylla apprenne une nouvelle psy-énergie qui est Vision. Nous avons par ailleurs découvert une nouvelle invocation, Flore. Et en parlant à Maa, le Lycan, nous avons pu obtenir un nouveau djinn de Jupiter, Ether. Voilà, je pense que j'ai assez bien résumé. Et donc là, je vais... Attendez, là, y a rien, c'est sûr. Y a rien, je suis déjà allé. Je vais donc revenir à Mikasa là, parce qu'il y a un djinn de Mars que je n'ai pas. Enfin, que j'ai trouvé, mais que je n'ai pas. Par ailleurs, hors caméra, enfin, hors record, j'ai acheté un peu d'équipement pour tout le monde. Lunaire, ça sert à rien comme attaque. Voilà. Donc alors attendez, premier point, je vais quand même tout explorer pour ne rien rater. Alors attendez, faut que je retourne à Mikasa et je crois aussi qu'il faut que je retourne à Madra. Parce que vu que j'ai Vision, je peux explorer de nouveaux endroits. Techniquement. Non. Pas envie de combattre. Pas envie de combattre ce là. Voilà. Donc ok, oui, non, là c'est bon, je me repère. Super bien. Si je remonte, oui, y a rien. Cependant, il faut bien que j'explore. Oui, c'est ça. Dans mes souvenirs, il y avait un djinn quelque part et aussi une grotte. Je ne sais plus trop où. Je ne sais plus du tout où il y a le djinn. La grotte, pour avoir la stèle d'invocation, je sais approximativement où elle se trouve normalement. C'est longtemps que j'y ai pas touché. Peut-être dans une forêt là. Non, d'accord, va te faire. Le jeu. Et le jeu veut déjà me perdre. Ça doit être par là. Oui. Je me souviens que ça doit être par là. C'était dans cette zone là où il y a du vert foncé. Alors, où exactement, j'en sais rien. Je sais que c'est par là. Faut juste que je cherche un peu. J'en suis sûr que c'est par là, c'est dans cette zone. Peut-être dans la forêt d'ailleurs. Ça se trouve, c'est toujours dans un endroit débile, comme dans les forêts. Non. Bon, c'est pas dans la forêt, c'est par là. Je suis sûr que c'est par là. En Bayako, il n'y a rien. Non. Toujours pas. Thank you.
Non plus. Ok. Ça m'énerve. Ben, je vais chercher un peu partout et je retrouve dès que je l'ai ce jean. Bon. Après réflexion et plusieurs combats, ça doit pas être dans cette zone. Peut-être que si je monte un peu plus au nord et en cherchant bien. Non, au nord. Voilà. Ah mais je cherche activement là, je vous le jure. Je sais que c'est dans une de ces plaines vertes. Ah bah le voilà. Le voilà. Un jean de Mercure, je sais plus comment il s'appelle. Mais je m'en fous. Souffre chien. Merde, c'était pas ça que je voulais faire. Voilà, bon, il fuit, c'est pas grave. Ah bah je sais, non, toujours pas. Voilà. Il n'y a plus qu'à... En fait, il faut toujours chercher dans cette zone de vert. Allez, montre-toi. Ne fais pas perdre patience. Saloperie. Je sais que t'es là. Je sais que t'es là. Je sais que t'es là. T'es dans cette zone, tu ne bougeras pas tant que je t'aurai pas capturé. Les jeans sont vos amis? Ouais. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est procné. Je me souvenais même plus que c'était ça en question en plus. Canon. Et puis procné, tiens. Je vais essayer de procné. Ouais. Ça n'a pas changé du tout. C'est un peu dommage, je trouve. Si ce n'est que c'est un petit peu plus fluide. Voilà, un jean de Mercure qui est fait. Il y a une stèle, ça c'est sûr. Il y a une stèle. Je sais plus où elle est. Je pense. Ah bah c'est acide. Je pense qu'elle est au sud. Je sais plus du tout. Ça se trouve au sud, il y a Kepwick. Il y a Kepwick. Voilà. Comme ça on est sûr et certain que je me suis trompé. Ah bah. C'était au-dessus. Oh seigneur. Ok. Tiens, il y a une croix. Ce n'est pas du tout évident qu'il faut creuser ici. Ah mon dieu. Un trou. Bande de pervers. Vous avez transformé ça en quelque chose d'horrible dans votre tête. Voilà pourquoi je vous déteste. Alors, mégère. Donc ça, deuxième... J'ai pas vu ce qu'il fallait pour mégère. Donc c'est la... troisième invocation spéciale. Je vais passer les invocations spéciales. Comment je l'ai appelé déjà? Si ça doit être en question spéciale. Donc j'ai Zagan, Flore et Mégère. Je vais retourner au village. Un petit combat cependant. Voilà, on va tout mettre, on va mettre tout le monde en attente. Un troll apparaît. Alors c'est Mégère. Bon. Défense. Mégère. Défense. Ouais, ça va. Et en plus, ça booste mon attaque. Ça, c'est intéressant. Ouais, c'est en fait juste deux épées qui tourbillonnent à une vitesse assez, assez rapide. Donc là, je suis à Mikasala. Où je suis déjà venu d'ailleurs. Pour ceux qui s'en souviennent. Et donc j'ai juste récupéré le jean. Je sais qu'il y a un trou quelque part. On va mettre creusé en raccourci rapide. Là j'ai un premier coup. Wow. Ah mon dieu. Mais qui cacherait des pots?
Bon, bah, voilà. Le djinn, tu veux te battre? Non, il vient avec moi. Il est gentil, ce djinn. Ça fait deux djinns de récupérer pour l'instant, c'est pas mal. C'est lueur, d'ailleurs acide. Elle a des résistants, donc la défense attaque avec la force de Mars. Non, c'est là. Ressuscite avec des hurrahs. Je suis pas sûr de comprendre. Donc du coup, je peux faire une invocation 2 de Mercure et une invocation 2 de Mars. Bon, je suis juste un petit peu en avance sur ceux de Jupiter. Mais je me débrouille bien. Je vais prendre... bah non. Donc ce qui va se passer, c'est que Pierce, il faudrait vraiment qu'il se ramène afin que je lui passe tous mes jeans de Mercure. Voilà. Et aussi, cet épisode sera beaucoup plus court que le dernier que vous avez eu. 1 heure, trois quarts de vidéo, s'il vous plaît, c'est pas rien. J'ai fait ça, non, attendez. Première partie, je l'ai fait le matin. La deuxième partie, je l'ai fait après midi. J'ai mixé ça ensemble, dans le reste de l'après-midi. Et au moment où je vous parle, j'ai fini de mettre en 720p. C'est pas rien. Alors, Kirin et Calypso. Donc, Calypso. Oui, je sais pas, Kirin, c'est Kirin. J'ai fourché. Bon, le Kirin est toujours si classe. Calypso est-elle toujours aussi classe? Je suis en train de me perdre. Non, il faut que je remonte. Oh, sinon j'ai une carte. Voilà. Ok, je remonte jusqu'à Madra. Oui, allez, on remonte. Bon, encore heureux que la world map n'est pas si grande que ça. Ça, je m'en suis rendu compte. Mais en 8 épisodes, je crois qu'on a fait quasiment un continent entier. C'est... Non, je... Ouais, c'est bien ce que je me disais. C'était pas là que je devais traverser. Donc là, c'est le désert de Yampi. Je crois d'ailleurs que je me suis complètement trompé sur mon itinéraire. Je vais pas passer par Mikasa là directement. Enfin, si, pour prendre... En fait, le itinéraire que je vais faire, c'est Madra, désert de Yampi, Alafra, Rocher, Garo, et ensuite Mikasa. Oh putain, ça c'est planté, ça c'est bugué. Je sais pas comment j'ai fait. Ouais, donc du coup, Mikasa là, j'y suis allé un petit peu rapidement. Pas grave. Madra, c'est après ça. Oui, c'est après ça, c'est juste au sud. Falaise océanienne. Donc c'est là où je vais trouver des pirates, il me semble. Est-ce que c'était à Madra que Pierce avait... Oui, c'est ça, c'est la Madra où Pierce avait été honteusement prisonnier. Encore. Et qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est pas vrai, mais il y a des problèmes politiques avec tout le monde. Les pirates, je peux comprendre. Les Kibombo, c'est quoi? Non. Ok, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui. Bah oui. En fait, les Kimombo pour ceux qui... Voilà, c'est ça. La caverne. Ah bah si, dealer. Un orbe noir. Un orbe noir. Oh non. Non.
Oh non. Pas l'orbe. Pas l'orbe noire. Pas l'orbe noire. Pas ça. Pour bon, j'organise le contexte. Pour ceux qui ne savent pas, l'orbe noire, c'est ce qui permet au bateau du tout début. Et ce qu'il nous a expliqué aussi dans le Golden Sun 1, c'est ce qui permet au bateau qu'on nous a passé de fonctionner. Pourquoi vous avez volé un objet, un artefact aussi puissant? Je vais explorer déjà. Bah ouais. D'ailleurs, je vais te dire que ceci me semble extrêmement louche, hein. Non. Oh, c'est bon, je l'ai vu, hein. Oui, s'il te plaît. Et te fous pas. Eh mais toi tu te fous complètement de ma gueule. Oups. Toi mais j'ai envie de... Ok, donc allez bien vous faire entuber. Et là tu es en train de me dire que tu rebouches le trou mais je t'en fous une. Ah mais non mais c'est les catacombes. Oh ça n'a rien à voir du tout. Juste avant. Bah je vais y retourner quand même vite fait. Je vais aller voir la prison. Je vais pas me rendre à la police, je vais juste aller à la prison, voir si Pierce n'est plus là, sinon je vais péter un scandale. Merci. Oh, vous savez, c'est... normal pour de simples humains comme vous. Ouais mais non, le coffre... Ah si, c'est pas là où il y avait le maire. Sérieux, ils ont vraiment pris leur baignoire. Pas ça, pas cet objet. Quoi? C'était à Pierce? Il faut absolument que j'aille le retrouver. Je vais embaucher dans mon équipe. Je lui donnerai des jeans s'il veut. Gratuitement, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire ici. Que c'est avec cette histoire de trou que ce mec ne doit absolument pas reboucher. Allez, hop, deuxième ellipse, je cherche. Ok, donc j'ai tout visité. C'est pas maintenant. J'étais sûr que normalement on devait avoir un pouvoir. Je repasserai avec Pierce. Donc là, si je me souviens bien, merci la carte, je dois me taper tout le chemin pour aller aux falaises de Gondwana afin d'explorer ce putain de continent qui ressemble bizarrement à l'Afrique. Pas l'Afrique, l'Amérique du Sud. Alors, ça fait que je dois passer par un autre désert. Youhou! Non, ça c'est un caillou dans des plantes pleines. Alors attendez, le chemin... Eh ben, je n'ai pas en tête le chemin. Je vais suivre ça. Je vais suivre le chemin là, qui m'est indiqué ici. On va faire comme ça. On va passer par des endroits improbables. Ou des rails nous tendent des embuscades. Pourquoi pas. Après tout... Voilà, elle bête. Désolé. Est-ce que je dois pas passer par au-dessus? Ok, je vais prendre le chemin du bas. Il n'y a pas de chemin. Si, il y a un chemin. Un gnome. Les doigts dans le nez. Pauvre bestiole. Impuissante. Ah, je savais qu'il y avait un chemin. Voilà, ne me faites pas avoir... wait. Non, pas là. C'était pas là, c'était pas là. Oh mon dieu, un soldat et un gnome. Vous me faites pitié. Oh mon dieu, utilise une herbe. Trop de puissance. Voilà, plus de puissance.
Une seconde. Oui. Non. J'avais cru quelque chose, mais en fait, non. Les falaises, et balles sont là, les falaises de Rondoven. Il y a un chien d'ailleurs. Est-ce que je peux lui parler à ce chien? J'y pense. En fait, je découvre qu'elle a la télépathie que maintenant. Non, c'est pas ça. Voilà. Je creuse à côté. Ce chien a une très bonne idée. Voilà. Oh! Bah, merci le chien. Tiens, il y a un champi là. Je vais essayer de le chercher. Attendez. Ok, j'ai le chemin pour aller chercher le champi. Il faut que j'ai pire, ce nom de Dieu. Une fourmi flash. Oh mon Dieu. Cette fourmi a des gunbox bleus. Et elle est rouge. Que ça marche à distance. Et ben non, va te faire foutre, qui me dit le jeu. Bon, je retourne dans la caverne. Et dans la caverne, plus rien, bande d'enfoirés. Je vous déteste. Allez, brûlez. Donc, alors, attendez, optimisation du chemin. Il y avait une liane, pourquoi j'y suis pas monté? Est-ce que c'est pas par là d'où je venais? Non, en plus. Donc en fait, j'étais obligé d'avoir creusé. Je me demande quand même si... Alors j'ai une question. Est-ce que c'est possible de speedrunner Golden Sun 2? Je précise le 2. Parce que je pense qu'il y a des synergies qu'on n'est pas obligé d'avoir. Alors techniquement, on n'est pas obligé d'avoir... On n'est pas obligé d'avoir... faut que je regarde. Ça non. On n'est pas obligé d'avoir relié. Enfoncé, bah on doit l'avoir, j'ai l'impression. On est obligé même. Tourbillon, ben normal, télépathie normale, vision, je crois que c'est obligé. Donc effectivement, jusque là. Bonjour le Jean. Est-ce que tu veux rejoindre mon équipe par la force? Lueur. Bon, allons-y. Sans effet. Ah mais non. Ouh, plein de nouveaux trucs. J'ai oublié que je peux faire des fusions afin d'obtenir des pieds énergie complètement craquées. Tiens, destruction. Ouais, des éclairs plus lumineux. Ouais, en fait, les fourmis flash, c'est nul. Je prends lequel? Milieu. Il y a un champi vert. Est-ce que je peux l'avoir? Non. Mais je peux faire ça. Déplacer par puissance ce gros tronc. Pour créer un passage. Alors, attention. Faut que je me repère, ça y est. J'ai le plan là, donc je descends. Ok, donc ça, très bien. Ça me permet de faire un raccourci. Je vais le faire de ce pas. Mais je veux le jean, hein, je vous le dis tout de suite. Oh mon Dieu, Garwal. Il est stylé ce monstre. Il est très très stylé. On n'a pas vu Calypso. Ouais, elle a pas changé. Level up. Qui a passé level up? J'ai pas vu. Non, pas de sauvegarde. C'était Pavel qui est une brute. Mais non, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà, il y a un champi rouge et un champi vert. Il faudrait que je récupère. Il faut que j'aie Pierce. Bonne réponse à toi que je n'ai pas entendu. C'est pas le bon chemin. C'est
c'est pas le bon chemin. Oh, j'adore faire des labyrinthes avec des cailloux. Putain, ça c'est ma passion. Je veux le djinn. Et le trésor. Ça fait deux choses. Ah mon dieu, il m'a fait mal avec ses griffes. Je crois que c'est des griffes. LOL, je ne peux pas passer. Alors là, je peux passer si je prends une liane. Très bien. Et donc là, technique... What? Je suis encore une fois stupide. Je vais me soigner d'abord. Ah voilà, tu me rends tous mes pouvoirs. Voilà. J'ai encore oublié que dans ce jeu, on peut sauter d'une case. Ah, j'adore quand les jeux, ça me fait comme ça, voilà. C'est... Ça ne fait pas tilt dans ma tête, ça fait... Non, tu vas mettre 2 ans à réfléchir. Pour un somnifère. Ça valait le coup. Tiens, gorille. J'ai buté tes grands cousins, sauf que ils étaient bleus. Le cri de mort est... très long. Descends. Je veux le djinn, et ensuite, je m'arrête au prochain village. J'ai pas envie de faire encore un épisode qui va durer des plombs. J'ai un nom acide. Brûlé. Et Procné. Voilà, donc c'est Procné qui va les achever. Voilà. Même pas. Voilà. C'était Ramsès. Garde-major, qu'est-ce que tu veux que je vous fasse? Protecteur, si tu veux, mais je m'en fous. Un caillou, il est beau ce caillou. Je veux le djinn. Je partirai pas sans le djinn, je vous le dis. Et le djinn était en enfant. Faut que je passe avec Pierce. Tellement de choses à faire avec Pierce en fait. Pillage. Dans pillage. Je crois toujours qu'il y a un i. Donc là, il faut Pierce pour aller récupérer quelque chose. Ah, je t'ai vu. Une battle. Très bien. Mais c'est la fête des djinns aujourd'hui. J'étais surpris. D'où j'étais surpris. D'où j'étais surpris. Je déteste ce jeu. Tiens, moins de défense et puis... Bah, super. Ah mon dieu, une explosion, putain. Et maintenant, c'est Ina qui est bas en PV. Merde. Résistance baisse de 40. Tu vas souffrir. J'ai soin, oui, là. Donc tiens, prends-toi de trouble. Et je vais t'abasourdir. Ah mon dieu, il m'a attaqué. Il m'a mis un coup de patte. Bon, et maintenant on peut dire que tu vas mourir. Je pousse ma défense, ça ne sert absolument à rien. Je vais appeler... Elle est où? Calypso. Et je vais rendre des pépés. Bah allez. Ah mon dieu, j'ai esquivé le coup parce que je l'ai vu venir. Bon, tu es mort là. Tu es mort, c'est cool. Tu viens avec moi après que je t'ai maltraité. Ça nous fait 1, 2, 3 djinns de capturer, si j'ai bien fait le compte. Pour le moment. Je sais plus. Flamme. Non, flamme. Où s'agit. Donc, toi, tu vas là. Et elle va me donner... Lui, je peux passer. Et si je vais là, donc, ça m'amène... Ouh, magnifique, une transition de merde. Ça m'amène ici. Je récupère le champignon. Le fongon riant, le fongon.
Rare et suspect. Ok, je vais le garder. Ça pourra me servir dans une quête prochaine, sans doute. Et Pavel se prend des coups de poing tellement puissants. D'ailleurs, je vais soigner Pavel. Je vais soigner Scylla. Je vais penser à revenir dans cette zone. Ok, et donc là, faut que je fasse tout le tour pour attraper un coffre, sans doute. Dans ce cas, je te dis sincèrement d'aller te faire mettre. Tiens, invocation du dragon. Parce que... Ah, Tiamat qui est un petit peu plus classe que dans le 1. Qui met du 160. Ça fait extrêmement mal. Je veux me casser. Oh mon dieu, lumineux point. Je me prends un point de lumière dans les dents. Ça fait très très mal. Je souffre. Je me barre. Voilà tout ce que j'ai à dire. Si j'en honte, bah non, j'ai pas envie. Bon, faut que je descende. Vous savez, je suis en train de me reperdre. Voilà, là c'est la corde. Profitons de ce magnifique eau qui tremble. De ce magnifique, oui. Cette magnifique. Voilà. Je veux pas combattre contre vous. J'ai la flemme. Ça vous va, j'ai la grosse flemme. Là, je descends, j'ai traversé les falaises de Hongkongouen, si je me souviens encore du nom de cet endroit. Oh là, donc c'était l'étape. Voilà, la falaise de Hongkongouen, voilà. Je crois que je trouve un village, je vais explorer la forêt, peut-être qu'il y a quelque chose. Une fourmi. Mudeda. Level up. Ouais, cette fourmi m'aura servi à quelque chose. Il faut que je pense à me soigner. Surtout 3 et... Bah non, pas 3. Je suis... je sens qu'il y a... un djinn de l'autre côté 2. Il faut que je traverse un pont. Je le sens. Il y a un endroit suspect. C'est suspect. Bon, allez, il faut que je remonte. Il y a pas un pont quelque part. Il y a pas un pont. Non, je vais pas me battre. Si je me bats, je vous fais extrêmement mal. J'ai pas envie. Oui, le pont il est là. Alors pourquoi chemin, tu me dis d'aller là-bas? Ok, chemin, je te suis pas pour le moment. Je vais être clair. Et je vais pas me battre. J'ai la flemme de me battre. Vous voulez? Voilà, je pense que c'est une bonne raison. Regardez l'eau, elle est bleue. C'est magnifique. Et là, il y a un chemin. D'où tu sors ce chemin pour aller traverser un pont? D'accord. Et donc là, eh ben, il y a quelque chose. Il y a des combats tous les 30 secondes. Vais-je péter mon câble? Ok, je pète mon câble. Donc, vous allez mourir. Il est où mon Ramsès? Il est là. Non, juste Mars. Voilà. Et je... Et non, toi tu te défends. Voilà, vous êtes pas mort. Très bien, je vais finir à l'épée. Toi tu meurs. Ouais, mais je vais te démembrer tout et avec ta famille. Je veux pas de bourgeon. Reste en attente, toi. Et c'était pas le bon chemin. Et je peux même pas traverser les 2 cm. Ok, maintenant les combats, je vais faire. J'en sais quoi. Écho. Très bien. Bonjour, c'est Tiamat, hein, ça me brise.
Tiens, puis je vais attaquer la taupe. Voilà, toi tu meurs, toi tu meurs. Et on remonte. Moi je voulais attraper un djinn, je sentais qu'il y avait un djinn. Je me casse. J'ai l'initiative, je me barre. Hein. Un trépassé, bien sûr. Il manquait plus que ça. Tiens, bon tant pis. Procné, tu les Pwned. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ensuite, on va là-dedans. Voilà. Les invocations gratuites. Voilà, c'est ce que je cherchais. Un autre djinn de mercure. Donc, djinn, tu vas mourir. Il est mort, Ramsès. Il est là, mort, Ramsès. Tiama. Et merde. Et bah, souffre, voilà. Et je vais m'arrêter au prochain village. Ça fait plus d'une demi-heure que je suis en train d'enregistrer. Je suis crevé. Allez, je te finis à l'attaque. Hein. J'ai des boules, moi. Et voilà. Donc là, je peux invoquer... Alors, attendez. Mercure, Calypso. C'est quoi le troisième? Le quatrième, je sais que c'est... Il me semble que c'est Neptune. Dans le troisième c'est Neptune, quatrième c'est Boreas. Et d'ailleurs, je change de version et cette fois Boreas n'aura pas une cinématique buggée. Je vous le jure sur tout ce que j'ai de précieux. Mon Pikachu en peluche. C'est ce que j'ai de. Et ma collection de jeux PC. Voilà. Eh ben on va essayer, tiens, allez, défense, défense, et toi tu vas mettre Neptune. Alors, Neptune, c'est une balle. Oh mon dieu, est-ce que c'était comme ça dans le 1? Ah, falloir que je regarde des invocations, parce que j'ai des gros doutes. Oh putain, village. Réduit. Très bien, bah je vais m'arrêter là. Quoique, qui sont un petit peu ok. Marchand d'armes, très intéressant. Il y a des totems. Ok, ça c'est pas du tout suspect. Et encore je crois derrière. Ok, allez vous faire. Comment j'ai cette compétence? En activant que ce... En activant que ça... Alors, attendez. D'accord, c'est donc ces deux... Ok. Mais je... Oui, si, j'ai relié quand même. Il y a un coffre là qui me tend les bras. Oh, un objet d'équipement ultra pété. Genre des trucs boost l'attaque et la défense. Si là tu vas la prendre, tu es inutile. Je suis désolé de te le dire. Donc ton chakra clair là, tu peux le donner. Voilà. Et toi, bah ta coiffe en fait elle me sert plus à rien. Elle me sert à rien ta coiffe. Bon, je vais m'arrêter ici, ça va faire 40 minutes tout pile, c'est super. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, abonnement, commentaire, like, Twitter, YouTube, blablabla. Bon jeu et à la prochaine. Sophie Arrache, c'est génial.